souhaitons la bienvenue à la grande aventure de la lumière. Nous commençons une série pendant tout le mois de décembre, mais aussi, bien sûr, pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, nous sommes à fébrile. On est à quelques jours de nos grands concerts de Noël. Alors, je veux inviter tous ceux, les milliers qui regardent en Facebook Live, samedi prochain, le 15, dimanche prochain, le 16, à 14h et à 19h, à venir vivre cette expérience avec nous. Un concert unique, un concert magnifique, 100 personnes sur l'estrade, chant, numéro de cirque, musique, chorale, danse. C'est un concert qui va être spectaculaire, mais un concert qui va être spirituel, parce que nous allons communiquer avec la musique, le message de la lumière, et on va communiquer avec le message. Alors, allez directement sur le site pour pouvoir prendre vos billets, réserver vos billets maintenant. Des milliers l'ont fait déjà. Bon, on a 4 représentations. Nous pouvons accueillir 8000 personnes le week-end prochain. Voulez-vous applaudir tous ceux qui, par Internet, vont venir se joindre à nous dimanche prochain. Samedi, dimanche, 14h-19h. La grande aventure de la lumière. C'est notre thème du mois de décembre. Alors, je vous pose la question. Avez-vous posé vos lumières de Noël? Combien ont posé est-ce que c'est fait déjà? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous avez des belles lumières? Combien d'entre vous, je ne veux pas me vanter, là, mais je suis fort en lumière. Laissez-moi voir votre main, les forts en lumière. Combien d'entre vous, vous pensez que vous êtes le champion de votre rue en lumière? Il n'y a personne sur la rue, les autres lumières. Combien d'entre vous, vous allez saboter les lumières des autres? Non, on va arrêter ça, Combien d'entre vous, vous pensez que vous êtes le champion de votre rue? Il y a quelques champions de la rue. Je pense pas que vous pouvez battre notre ami, un ami à Cartierville, Samy. Je dirais pas son nom de famille, il s'appelle Samy. Une maison décorée de 250 000 lumières. À Montréal, les décorations de Noël d'une maison dans ces Cartierville qui attire les foules depuis 3 ans atteignent cet hiver leurs proportions les plus ambitieuses jusqu'à maintenant avec 250 000 lumières, 175 structures gonflables. Chaque année, depuis 3 ans, la maison de Samy, je dirais pas son nom, subit une transformation majeure à l'approche du temps des fêtes. Pendant des semaines, ce passionné de décoration s'affaire à préparer ce qui est devenu au fil des ans une attraction de Noël. Il dit, c'est quelque chose, il y a seulement 25 ans, c'est quelque chose, quelqu'un qui dit doit être célibataire, c'est quelque chose que j'adore vraiment, lance celui qui est âgé de seulement 25 ans. Combien d'entre vous, vous avez le goût de dire, Samy, viens donc faire un tour chez nous, poser des lumières? La grande lumière de Noël. On est à quelques semaines des fêtes et des lumières partout. Toutes sortes de lumières autour de nous. Et lorsqu'on regarde au texte, on va regarder pendant tout le mois de décembre, comme à chaque année, au magnifique texte de Noël. Lorsqu'on regarde au texte de Noël, on va choisir celui dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, ce matin, la grande aventure de la lumière. On voit dans le texte de Noël, c'est fascinant, il y a 2000 ans, la dualité, une dualité très actuelle. Une dynamique qui est intemporelle, qui est universelle de l'an 1 aller jusqu'à nous en 2018. Lorsque nous lisons dans Luc 2, il y avait, et à partir du verset 8, il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et voici la lumière de la gloire du Seigneur resplendit. La lumière de la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande peur, une grande frayeur. Et l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. » Il y a 3 choses qui sont là en simultané, qui sont encore totalement présentes aujourd'hui. 2000 ans plus tard, dans la grande aventure de la lumière, vous avez la lumière de la gloire de Dieu qui resplendit autour d'eux et la lumière de Jésus qui vient et qui transforme des vies resplendit encore aujourd'hui. Moi, je faisais le compte en fin d'année. Je suis rendu dans l'ensemble de mon ministère à plus de 48 pays de visiter. J'ai apporté la parole dans 48 pays du monde et j'ai vu la lumière de Jésus changer des vies. Elle resplendit encore et on doit s'arrêter avant le magasinage, avant tout le reste, avant les cadeaux, avant les serments de cœur, avant les parties de bureau, avant tout le reste. Il faut s'arrêter un instant. Combien d'entre vous, vous êtes ici? La lumière de Jésus a resplendi dans ma vie et a changé ma vie. Est-ce qu'on peut applaudir la lumière qui brille encore et encore et encore? C'est vrai, la lumière de la gloire de Dieu a resplendi. C'est une bonne nouvelle, le mot évangile, bonne nouvelle.
qui est devenu le sujet de joie pour tout le peuple. En quelques années à peine, le peuple, tous les peuples de l'époque, la lumière du christianisme avait illuminé le peuple entier. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ce n'est qu'exponentiel. Jésus est mondial. Cette lumière est un sujet de joie pour tous les peuples. Une lumière qui brille, une bonne nouvelle, un sujet de joie, mais des cœurs dans la crainte. La première mention dans le Nouveau Testament de « ne crains pas, n'aie pas peur ». 365 fois dans la Bible, le ciel dira « n'aie pas peur ». Et alors, cette fin d'année, lorsqu'on arrive après 30 quelques années, de 35 ans de pastorat, je peux vous dire qu'en cette fin d'année, même pour des croyants qui savent que la lumière est venue et ont reçu la bonne nouvelle, ça a été pour moi un sujet de joie. Mais on arrive à la fin de l'année avec différents serments, différentes craintes, des peurs pour la suite des choses, situation difficile qui a pris place en 2018. Comment est-ce que ça va se faire en 2019? Peur pour la suite des choses, certains peur de la solitude, vécu une séparation, des divorces, l'abandon, des deuils. On a perdu d'être cher cette année. Peur de la confrontation avec certaines personnes à Noël. On a des situations, qu'elles soient familiales ou autres, on va se retrouver face à face, famille reconstituée, tout ça. Peur des gens qui arrivent en fin d'année ce matin. Peur pour vos études, peur pour votre travail, peur pour la prochaine étape de votre vie. Peur pour votre propre vie, votre mariage, votre couple. Des peurs financières, des peurs économiques, familiales. Face à la maladie, une maladie qui a été annoncée ou un diagnostic qui a été prononcé pendant cette année. Vous arrivez à la fin de l'année puis vous savez qu'il y a une bonne nouvelle, vous savez qu'il y a un sujet de joie, vous savez que la lumière est là. Elle est réelle dans votre vie, mais il y a une peur qui agrippe le cœur. La peur pour on peut avoir peur pour nos familles au loin, des gens qui sont ici, que ce soit en Haïti en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs, avec les tremblements partout dans les nations, des gens qui sont ici puis vous pensez que vous allez séparer de votre famille à Noël et vous avez peur pour des familles au loin, puis on peut avoir peur pour des gens de notre famille tout proche, tout près de nous pour lesquels on a... Comment est-ce qu'ils vont aller pour mes enfants, pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, pour mes enfants, pour mon fils, ma fille, pour mes petits-enfants. Peur des conséquences de mes erreurs, des gaffes que j'ai faites en 2018, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ce que 2018... Peur de la mort, peur de la solitude. Alors ce matin, juste avant tout le tourbillon, ce ne sera pas un long message, ça va être un message simple, juste deux pensées très simples sur la grande aventure de la lumière qui peuvent faire une grande différence dans comment vous allez traverser Noël, vous allez passer Noël, quelle sorte de Noël vous allez avoir, quelle mesure de joie vous allez avoir. Deux pensées très simples, on va continuer pendant tout le mois, mais ce que j'appellerais la grande aventure de la lumière, le rappel, juste un simple rappel de quelques lumières de Noël, le rappel et le retour à notre lumière, et la réponse et la récompense de notre lumière. En d'autres mots, c'est quoi notre lumière de Noël, et qu'est-ce qu'on fait? On peut pas être plus simple. C'est quoi, juste se rappeler, un retour, là. C'est quoi notre lumière de Noël, puis qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quoi notre lumière de Noël, puis qu'est-ce qu'on fait avec le rappel et le retour à notre lumière? Dans le texte qu'on a lu, l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, elle va être pour tout le peuple, c'est une grande joie. » Et voici la bonne nouvelle, qu'on souvent peut pas passer Noël au complet, puis que des millions de Québécois passent Noël au complet sans l'entendre. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël, personne n'a dit « Amen » à ça, c'est assez hallucinant avec l'Église Nouvelle Vie. Je vais le répéter une autre fois, vous avez un petit moment d'égarement. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Au milieu de toutes les autres lumières superficielles ou autres, même les pressions, préparatifs, émotions, appréhensions de Noël, Noël, c'est l'ultime bonne nouvelle d'un sauveur qui est venu de la grâce et de l'amour de Dieu. Noël, c'est littéralement... Avez-vous entendu à la radio ou vu les commerciaux pour la grande vie? La grande vie, moi, je prends pas de billets de taux, j'ai jamais pris, j'en prendrai jamais. Mais là, je fais pas de la publicité pour les billets de taux ce matin. Mais je suis dans ma voiture, j'entendais parler de ça. La grande vie, vous achetez le billet 2 tirages par semaine et la possibilité de 1 000 $ par jour pour le reste de ta vie, quand même. Tu sais, non, je prends pas de billets, je vous ai dit, je ferai pas, je suis pas, je vais pas. 1 000 $, puis ils font une petite blague avec ça. C'est comme le jour de la marmotte. À tous les jours, tu te relèves le matin, hop, un autre 1 000 $. Le jour de la marmotte. Puis le gars, là, très, très drôle, le commercial, il dit, tu peux avoir une marmotte ou pas de marmotte. Puis si tu veux avoir une marmotte, t'as moyen de t'acheter une marmotte à chaque jour pour 1 000 $. J'aimerais vous dire que le message de Noël, c'est Jésus, ce sauveur, c'est 1 000 grâces, 1 000 pardons, 1 000 fidélités, 1 000 guérisons,
1000 libérations, 1000 protections, 1000 fidélités, grâce, protection. Vous devriez applaudir plus de ça, non seulement par jour, mais pour l'éternité avec lui. C'est ça, Noël. C'est la grande vie, c'est aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui perpétuel. Noël, c'est l'aujourd'hui perpétuel de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est Noël, c'est la grâce de Dieu qui nous nettoie nos dégâts et nous donne ce que nous avions perdu ou que nous n'avons même jamais eu. Il y a, vous avez entendu parler du Black Friday, puis tous les gros magasins partout et aux États-Unis. Le magasin Macy's met toutes sortes de petits clips et toutes sortes de petites nouvelles. C'est comme une ville, Macy's. Des milliers de personnes qui vont là à chaque année. Puis ils ont mis un clip sur Internet d'un événement qui a pris place dans un de leurs magasins, que quelqu'un, tout le monde filme, tout le monde. Dites ça à quelqu'un, c'est important à Noël cette année. Party de bureau, tout le monde. Dites à quelqu'un près de vous, il y a quelqu'un qui va te filmer. Dites ça à quelqu'un près de vous. Comporte-toi comme il faut, il y a quelqu'un qui va te filmer cette année. Et au même ici, il y a quelqu'un qui a filmé, puis on fait il y a une petite vidéo là-dessus de Noël de cette année où il y avait des grands-parents avec une belle petite jeune fille, belle petite fille, et puis il faisait froid dehors, et puis le magasin Macy's, tout est beau, tout est immaculé, décoration partout, et il y avait un stand parmi les vêtements, tout ça, mais il y avait un stand de chocolat chaud, et la petite fille a pris, le grand-papa il a acheté le jumbo chocolat chaud, le genre d'affaire que tu peux te baigner dedans. Il est gros comme ça, c'est une piscine. Et là, on sait pas comment ça s'est passé, elle a fait deux pas, puis slack. Partout à terre, partout sur elle, sur son petit manteau, elle se met à pleurer, tout le monde pleure, les gens sont dégoûtés, tu vois tous les shoppers, le petit peu le nez dans les airs chez Macy's qui sont là autour de la... Et il y a un employé hallucinant qui arrive, le sourire, il est tout beau, il est tout propre, il est tout parfait, il y a du chocolat partout, il arrive avec une mope divine, et... En quelques secondes, la tâche disparaît. La tâche est plus là. Là, tu dis, il vient pour s'en aller. La petite fille, elle pleure encore parce que tout son manteau. Il parle à un de ses patrons. Il s'en va sur le rack chercher un manteau hallucinant. Enlève le petit manteau. Remet un manteau neuf. Chocolat chaud neuf. Est-ce que je peux vous dire la bonne nouvelle de Noël? Il efface tes dégâts. Il efface les miens. Il me donne ce que j'avais perdu. Il me donne même ce que je n'avais jamais eu, un manteau de paix, de louange, de joie, de force, d'espoir pour l'avenir. Applaudissez Noël! C'est la grâce Noël, c'est la célébration de la grâce de Dieu dans nos vies et comment elle nous transforme. Alors, une des questions de Noël en cette fin d'année, êtes-vous prêt à accepter cette grâce-là pour vous-même? Êtes-vous prêt à la recevoir, quelles que soient vos erreurs, vos fautes, vos gaffes, vos regrets de cette année? Êtes-vous prêt à la recevoir pour vous-même? C'est le plus grand cadeau de Noël que vous pouvez vous faire. Êtes-vous prêt à l'accorder et à la relâcher à quelqu'un? C'est le plus grand cadeau de Noël que vous pouvez faire à qui que ce soit. Et une autre question importante, lorsqu'on regarde peut-être toutes les théologies et une nouvelle vie, lorsqu'on regarde dans la Bible, selon vous, quelle est la première ligne, mention du message de Noël? Est-ce qu'il y en a qui savent, premièrement, dans quels évangiles nous trouvons le message de Noël? Dites-moi savoir, quels évangiles le message de Noël? Toutes les pasteurs de nouvelle vie ne disent rien en ce moment, ils ne sont pas au courant de ça. Trop tard, alors j'ai peur là, des réponses. Alors, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, je vais vous montrer comment dans l'évangile de Jean, ils sont en train de dire, c'est quoi la première ligne du message de Noël? Est-ce que c'est les anges qui apparaissent? Non, la première ligne du message de Noël, c'est Genèse 1:1. Parce que le message de Noël, il est à travers, le retour au message, il est à travers de la grâce de Dieu, il est à travers la Bible au complet. À partir. Et l'apôtre Jean le rappelle, il commence son évangile dans le Nouveau Testament en nous référant au commencement de toutes choses. Au commencement était la parole, et ça c'est Jésus. Et Jésus était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Noël, c'est le Créateur qui vient sur terre afin de faire de nous des nouvelles créations. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de tout ce qui avait été fait n'était fait sans elle. Elle était dans la vie et la vie était la lumière des hommes. Au commencement de toutes choses, vous lisez le livre de la Genèse, vous avez un micro-portrait de l'expérience humaine. Vous avez la beauté de l'être humain en communion avec Dieu, où les choses sont belles et pures. Et il y a une communion qui est parfaite, mais vous avez le cœur rebelle. L'être humain avec sa volonté libre. Le cœur qui s'éloigne, le cœur qui brise, le cœur qui s'éloigne des commandements de Dieu, le cœur qui déchire l'alliance avec Dieu. Et le résultat est toujours le même. Alors l'être humain qui se cache, l'être humain qui a honte, l'être humain qui a peur, l'être humain qui se met à blâmer l'autre, c'est pas moi, c'est toi, c'est à cause de toi. Le cycle, les fuites, la honte, je cache, les fuites, la honte, j'accuse, je blâme, et après ça, je tue.
je tue des relations. Le frère qui assassine l'autre, je tue des relations. Je tue des espoirs, je tue des destinées, je tue des témoignages. Et dans ce cycle-là, tu regardes déjà le livre de la Genèse et tu dis, ben, voyons, l'homme est déjà à son pire. Et lorsque l'homme est à son pire, le premier verset de Noël est au moment où l'homme est à son pire et Dieu annonce déjà qu'il a un plan. Genèse 3:15, le premier verset de Noël, et l'Éternel dit au serpent, « Je mettrai une guerre entre toi. » Il va y avoir un combat entre toi et celui qui va être né de la femme, entre ta postérité et la sienne. Toi, tu vas lui blesser le talon. C'est déjà un portrait de la croix. Mais celle-ci, celui qui va être né de la femme, va t'écraser la tête. Première lumière de Noël qu'il faut que tu gardes. Avant de la partager aux autres, faut que tu la repossèdes toi-même. Faut que tu la ressaisisses toi-même. La première, deux lumières de Noël ce matin, on continue dans les prochaines semaines. Le rappel de notre lumière. La première lumière de Noël ce matin. Même quand j'ai été à mon pire, Dieu travaille et prépare mon meilleur. Quand j'ai fait le mal, Dieu travaille pour mon bien. Genèse 3:15, alors que l'homme est à son pire, Dieu annonce déjà, Dieu a déjà un plan pour l'en sortir. Souvent, on vous allez faire comme moi, vous allez chez Jean Coutu ou ailleurs, ou Hallmark, whatever, vous allez chercher la carte de Noël la plus, et c'est toujours les mêmes images, carte de Noël avec les flocons, la petite neige, la crèche, si vous êtes un chrétien ou non, un peu plus. D'autres, ça va, bien sûr, la petite reine, le Père Noël, les images bucoliques. Moi, j'ai une idée de carte de Noël absolument extraordinaire. Une image de carte de Noël, la tête d'un serpent écrasé et un mort qui sort d'un tombeau, parce que Noël, c'est Jésus qui vient vaincre le mal et l'auteur du mal et qui me permet de ressusciter la vie nouvelle. Quelqu'un devrait dire amen. Certains d'entre vous, vous dites 2018, ça a vraiment pas été ma meilleure année. Ou dans un certain aspect de ma vie, oui, mais pas dans cette vie-là. Dans certaines affaires, ça a été bien, mais dans d'autres aspects, j'ai été à mon pire. La première, le rappel de la première lumière de Noël, c'est quand j'ai été à mon pire, Dieu travaille et prépare pour mon meilleur. Dieu est à l'œuvre pour m'en sortir. Je sais pas été ma meilleure année, c'est j'ai été à mon pire dans une relation, dans mon mariage, ou face à une dépendance, ou un pattern. Certains m'ont dit même, j'ai pas gagné du terrain, j'en ai perdu. Au moment où l'être humain ici semble avoir tout perdu, lorsqu'il semble à son pire, Dieu travaille déjà. Dieu a déjà un plan. Dieu marche déjà devant toi pour te libérer, pour t'en sortir, pour effacer la tâche, te redonner ton chocolat chaud et même te donner un vêtement que tu n'as jamais connu auparavant. J'étais à Tampa la semaine dernière par quelques jours de vacances avec Pasteur Mark. On a visité, on a rencontré plusieurs églises, toutes sortes de consultations pour la prochaine année avec des églises qui sont des modèles. Et puis, une des églises dans lesquelles on est allé, magnifique, on est arrivé à Tampa. Puis à l'entrée de l'église, il y a cette image, une croix. Qui est là. Et si vous regardez en bas, c'est de la ferraille. C'est tous des morceaux de ferraille, qui est mon morceau de vidange métallique qui monte et qui devient la croix. Et il y a une plaque qui explique, c'est un ferrailleur, un gars qui ramassait de la ferraille et des vidanges à l'église, lorsque l'église était juste quelques personnes. Et c'était pas juste qu'il ramassait des ferrailles physiques. Lui raconte son témoignage. J'ai juste amené des plaies à Dieu. J'ai juste amené des morceaux que le reste du monde disait qu'il avait pris à faire avec ça. C'est ça que j'ai amené. Il était, son mariage était éclaté. Il y avait toutes sortes de dépendances. Il y avait un des premiers qui a donné sa vie au Seigneur dans cette église-là. Et ce ferrailleur, aussi un artiste, m'a amené cette image-là au pasteur. Le pasteur a dit, je veux mettre ça devant l'église et je voudrais le mettre devant vos yeux ce matin. La première lumière de Noël, c'est que quel que soit les bouts cassés, les bouts tranchants, les bouts de ferraille, les bouts qui n'ont plus de valeur, ce que d'autres ont jeté ou que tu aurais jeté toi-même dans ta vie. Lorsque tu étais à ton pire, tu l'amènes à la croix, tu l'amènes au Seigneur. Et à Noël, Dieu te rappelle que lorsque tu es à ton pire, lui, il travaille déjà à ton meilleur et à te restaurer. Quelqu'un devrait dire amen ce matin. Quelqu'un devrait applaudir Noël. Ça, c'est Noël. Le rappel, le retour, c'est quoi le premier verset de Noël? Ah, c'est non seulement avec le commencement, avec le pire de l'homme, c'est même avec le père de la foi. Même avec celui qu'on a appelé le père de la foi, Abraham. Le père de la foi. Dieu lui a donné cette promesse dans la Genèse, le premier verset de Noël. Un des premiers versets de Noël. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, par tes enfants, parce que tu as obéi à ma voix.
C'est une promesse prophétique, c'est une promesse messianique, c'est une promesse de Noël. Complètement inconcevable, complètement improbable, complètement irréalisable humainement. Mais Dieu dit à un homme âgé, à partir de toi, de ta descendance, tu vas devenir une bénédiction pour les nations. À travers toute l'histoire et à cette époque-là en particulier, les nations ne cherchaient pas à être une bénédiction pour une autre, cherchaient à conquérir. Et lui, il est rien, il est minuscule, il n'a aucune ressource. Et Dieu lui dit quelque chose qui est absolument impossible à imaginer, à concevoir. De toi va naître celui qui va être, et Jésus de la descendance d'Abraham, va naître celui qui va devenir le sauveur du monde, celui qui va amener une bénédiction en 2000, qui va aller jusqu'à 2018 et pour des décennies à venir jusqu'au retour du Seigneur, qui va toucher la planète entière. C'est une promesse qui est inconcevable, qui semble irréalisable, comme les promesses que Dieu met dans nos vies, comme les promesses que Dieu nous donne, qui à certains moments de nos vies nous semblent impensables, inconcevables, irréalisables, c'est fini, c'est trop tard. Mais une des et dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, dont dans l'Épître aux Romains, il dira, regardez à Abraham, manquez pas la leçon de sa vie, regardez à lui, apprenez de lui, car il est notre Père à tous, sa foi est la vôtre. Et s'il y a un mot qui caractérise la foi d'Abraham, le père de la foi, c'est un mot populaire. C'est un mot que je pourrais avoir un roulement de tambour. C'est un mot que lorsque tu le dis, il y a un frisson. Lorsque tu le dis, la foule se met à faire la vague spontanément. S'il y a un mot qui caractérise la foi d'Abraham, c'est le mot attente. Lorsqu'il reçoit la promesse dans sa propre vie, c'est 25 ans avant que la promesse... Il veut simplement avoir un enfant. Dieu dit, ce ne sera pas seulement ça, de toi va... Il y a toute une génération, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et lorsque vous regardez le père de la foi, ce qui marque sa foi, c'est l'attente. En cette fin d'année, il y a une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie, mais je dois revenir. Il y a un retour, il y a un rappel. Notre lumière, c'est que quand je suis à mon pire, Dieu fait encore son œuvre en moi. Et la deuxième lumière, c'est quand je pense n'être qu'en attente, Dieu est à l'œuvre pour accomplir. Je suis en attente d'une guérison, je suis en attente d'une réponse, je suis en attente d'une percée. Je suis en attente à mon travail, d'une promotion que je mérite. Je suis en attente de mes études, je suis en attente d'une relation, je suis en attente pour quelqu'un dans ma vie. Je suis en attente pour un pardon, je suis en attente pour une réponse, je suis en attente pour un changement dans la vie de quelqu'un que j'aime. Je suis en attente pour une percée, je suis en attente pour une bénédiction. Je suis en attente. Lorsque tu es en attente, je suis en attente parce que j'ai semé de l'amour et du pardon et de la fidélité. J'ai semé financièrement, j'ai semé dans l'Église, j'ai semé dans l'œuvre de Dieu, j'ai semé mon temps, j'ai semé mes énergies, j'ai semé tellement, j'étais en attente de la grande, j'étais en attente d'une justice parce qu'on me traite injustement, j'étais en attente que tu me défendes parce qu'on m'attaque, j'étais en attente. Lorsque tu es en attente et que tu penses que tu n'es qu'en attente, Dieu est en train d'accomplir son œuvre, Dieu est en train d'agir pour accomplir sa promesse, devrait dire amen. La foi qui comprend ce que Jésus a enseigné. Jésus leur dit encore, le royaume de Dieu est comme un homme qui met sa semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, que ce soit le jour ou la nuit, la semence germe. Il voit pas lui, mais la semence germe. Et Marc chapitre 4, verset 26 et 29, elle grandit sans qu'il sache comment ou à quel point. Mais la terre produit et fait son œuvre et devient une herbe, puis un épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on le cueille parce que la moisson est là. Il y a une œuvre. Quand je pense naître, ça c'est une lumière de Noël, quand je pense naître, qu'en attente, Dieu est à l'œuvre pour accomplir. La foi, c'est la détermination qui précède la découverte et le dénouement. Je suis déterminé à faire confiance à Dieu, mais j'ai pas encore découvert comment il va le faire ou comment toute cette situation-là va se dénouer. Ça, c'est la foi de Noël. Ça, c'est la foi. La foi, c'est vivre dans la promesse lorsque je ne vois pas, le processus. Jour et nuit, je vois pas ce qui se passe sous le sol, je vois pas ce qui se passe avec ma semence, je vois pas ce qui se passe. Mais la promesse de Noël d'Abraham, de génération en génération, marchait vers son terme. Nous sommes dans une mentalité instantanée. Je le dirais de cette façon, peut-être c'est comme ça que vous allez vous en souvenir. Notre destinée n'est pas comme un service au volant.
On est habitués, nous autres, service au volant. J'y vais, je commande, je fais ma commande. Et trois minutes plus tard, hier, je suis venu étudier, puis un monsieur, il doit y avoir plusieurs personnes, il a le droit, il va au Tim Hortons, il passe. Peut-être que ça a duré 4 minutes et demie, j'étais au bord de sortir de ma voiture tellement je trouvais ça long. Je dis, bien voyons, qu'est-ce que commande-les ton café? Ah ouais. Puis il parlait, puis il répondait, c'était comme une histoire qui se passait entre lui, l'histoire de Noël qui était racontée entre lui. Combien d'entre vous attendre est quelque chose de difficile? Non, le développement de destinée, c'est pas un drive-through. Lorsque tu te maries, moi, lorsque je me suis marié, tu n'arrêtes jamais de découvrir des choses fascinantes sur ton conjoint, ta conjointe, mais dans les premières années, c'était un rythme accéléré, puis les affaires les plus simples, parfois, deviennent hallucinantes. Je me souviens des premières fois que je suis allé au McDo, on va plus bien, on va pas plus au McDo maintenant, mais première fois que j'étais allé au McDo avec Chantal et moi, quand je vais au McDo, c'est tellement rapide, je marche même par numéro. Un numéro 3, extra ketchup. Parce que vous me suivez, je sais exactement ce que je veux. On arrive au comptoir, numéro 3, extra ketchup, Big Mac, blablabla. Et Chantal dit, moi, j'aimerais ça avoir le sandwich au poulet. Mais s'il vous plaît, pas avec le pain comme ça, avec le pain comme ça. Puis je veux pas avoir la moutarde, je voudrais avoir la... Parce que vous pourriez mettre tout ça. Et je voudrais avoir un café avec un demi-sucre et avec un... Elle veut un ordre, une commande spéciale. Je me souviens d'une fois, j'étais juste halluciné. Comme... Prends un numéro 3. Non, c'est une commande spéciale. Je me souviens, une fois, j'étais tellement humilié, ils ont dit, ils sont pas bâtis pour ça, les commandes spéciales. Commandes spéciales, ils ont dit, monsieur, s'il vous plaît, tassez-vous sur le côté et allez attendre un peu. Si tu veux une commande ordinaire, oh, tu vas l'avoir. Si tu veux une commande spéciale, va sur le côté puis sois venu m'apporter. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en attente en ce moment, c'est parce que Dieu prépare une commande extraordinaire, une commande hors de l'ordinaire, hors du naturel pour toi. Dans chaque détail du récit de Noël, vous avez la deuxième lumière. Quand je pense n'être qu'en attente, Dieu est à l'œuvre pour accomplir. Dans chaque détail, vous avez déjà entendu ce verset dans Michée. 500 ans auparavant, il annonçait la ville où il était pour naître. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judée, de toi va sortir pour moi celui qui régnera, dont l'origine remonte aux temps anciens. Il y a un accomplissement qui se fait sur du temps. Il y a un processus qui appelle à notre fidélité. Et tu vas naître à Bethléem Ephrata. Puis il y a un fruit de ça. La raison pour laquelle le prophète a spécifié Bethléem Ephrata, c'est que les historiens nous disent qu'il y avait plusieurs Bethléem. Il y en avait plusieurs à différents endroits. Puis certains disent 3, 4 Bethléem. Celui-là, c'est là où il est né spécifiquement, c'est Bethléem Ephrata. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Et Ephrata veut dire le fruit. Ou ce qui fait porter du fruit. Ce qui rend fructueux à nouveau. Maison du pain et le fruit. Même dans sa naissance, le Père annonçait Dieu, annonçait son corps, le pain, et son sang, le vin. Il annonçait la maison du pain qui va nourrir l'humanité, son sang qui va être versé. Et le mot Ephrata veut dire, lorsque tu pensais que c'était mort, lorsque tu pensais que c'est stérile, lorsqu'il n'y a plus rien, attends, sois fidèle, reste là, accroche-toi, crois-le. J'aimerais annoncer encore à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Comme avec Abraham, comme avec chacun d'entre nous dans les périodes d'attente. Dieu dit, même ma naissance de mon fils à Noël est à Bethléem Ephrata, est à l'endroit où ce que tu pensais qui était fini, ce que tu pensais qui était mort, ce que tu pensais qui ne pouvait pas revivre, ce que tu pensais qui ne porterait pas de fruit, va porter un fruit à nouveau. Attends, lorsque la promesse tarde, attends-la, elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Une des choses les plus dures, bientôt, vous allez sortir, vous avez des jeunes enfants, 3 ans, genre 2-3 ans, ou même maintenant, nous, les grands-parents, les petits-enfants de 3 ans, tout ça. Lorsque arrive le moment, surtout les petits gars, mais les filles aussi, mais surtout les petits gars, arrive le moment de développer, la promesse a été faite, et maintenant, le cadeau, j'attendais, avez-vous remarqué? Une des choses les plus dures dans la foi chrétienne, c'est reste assis et attends. Il y a plein de versets qui disent ça. Hein? C'est quoi? Be still and know I am God. Reste tranquille. Hein? Il y a certaines connotations en hébreu qui veulent littéralement dire assis-toi tranquille et attends. Combien d'entre vous, vous avez déjà eu un petit gars de 3 ans que les mots les plus impossibles pour lui entendre, c'était assis-toi tranquille et attends? Et c'est pas physiquement possible. Les cadeaux, à 3 ans, moi, à 3 ans, j'étais surexcité, hyperactif. Et mon fils, petit-fils, vous avez vu plein de parents, vous allez voir ça en encore, tu prends là, envoie, assis, il y a une promesse, ce cadeau s'en vient encore. Des fois, tu bouge pas,
Reste assis-toi puis attends, puis faut qu'il fasse quelque chose. Il y en a qui dansent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui... Avez-vous déjà un petit gars faire ça? Il est comme... Oh! Puis des fois, d'un coup, là, il est pas capable d'attendre, faut qu'il touche à toutes sortes d'affaires. Touche pas à ça, ça te fait mal. Touche pas à ça, ça brûle. Touche pas à ça. Vous trouvez ça drôle? Mais spirituellement, c'est ça qu'on fait. Ah, Dieu dit, assis-toi et attends, ça va s'accomplir. Laisse-moi voir si je suis capable, laisse-moi voir. Ah, oh, je suis tout seul à Noël, touche pas à ça, ça brûle, ça va te faire du mal, ça va te mettre du plan. Assis-toi et attends, mon plan est en train de s'accomplir, quelqu'un devrait dire amen. Ah, vous devriez dire amen. Oui, mais il n'y a personne d'autre qui attend comme moi, tu peux pas savoir avec l'autre, parce que là, tu sais pas, qui d'autre attend comme moi? Qui d'autre a attendu comme moi j'ai attendu? Jésus a attendu. Il est né à Bethléem, Éphrata, exactement à l'endroit où c'était prophétisé depuis des centaines d'années, des millénaires et millénaires dans le cœur de Dieu dès le commencement, dès Genèse 3:15 et bien avant, dans l'omniscience de Dieu. Mais là, on arrive, Bethléem, Éphrata, et il naît, et il va attendre pendant 30 ans. Il était complètement Dieu à 3 jours, à 3 minutes, à 3 jours, à 12 ans dans le temple, à 29. Mais il y a 30 ans, il y a un modèle pour toi, il y a un modèle pour moi. C'était préparé de Dieu, mais il y avait 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. 30 ans de préparation pour 3 heures sur la croix. 30 ans de préparation pour 3 jours où il va ressusciter. Au-dessus de la crèche, il y a l'ombre du message de la croix. Au-dessus de la crèche, il y a l'ombre du message de la croix qui dit à chacun d'entre nous, lorsque tu penses que tu ne fais qu'attendre, Dieu est en train de te préparer pour qui tu vas être, pour ce que tu es appelé à accomplir. Confie-toi à lui. Fais-lui confiance. Il t'appelle, il va marcher, il a promis, il va te garder. Accroche-toi à la promesse et laisse cette lumière de confiance briller dans ton cœur. Vous devriez dire un grand amen. Deux pensées très simples ce matin. Je vais continuer avec d'autres lumières de Noël dans les prochaines semaines. Mais c'est quoi notre lumière de Noël? La lumière numéro un, même quand j'étais à mon pire, Dieu travaille, prépare mon meilleur. La deuxième lumière, quand je pense n'être qu'en attente, Dieu est à l'œuvre pour accomplir en moi. OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière-là? Que Jésus peut venir transformer les êtres humains, qu'il est la bonne nouvelle, qu'il est celui qui efface, quelle que soit la tâche, le dégât, la dépendance, le désespoir, la captivité, non seulement ce qui la couvre, la honte, le regret, il la couvre, mais il te donne le vêtement nouveau, il te donne ce que tu pensais que tu t'es perdu à jamais ou ce que même tu n'as jamais eu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui va nous dire qu'est-ce qu'on fait avec... C'est quoi la réponse? Quelle est notre réponse? Une pensée essentielle. La dernière du message, il y aura toujours une mesure de joie, de paix, de plaisir, de bonheur renouvelé à Noël et que certains chrétiens manquent depuis des années à Noël qui dépendra de notre réponse, notre rôle face à l'appel à répandre cette lumière. Et c'est les bergers qui nous donnent notre cue. C'est les bergers qui nous donnent la direction. Continue dans Luc chapitre 2. Si vous regardez au verset 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste venant du ciel. Gloire à Dieu, la lumière qui éclate. Gloire à Dieu sur les lieux très hauts. La paix sur la terre aux hommes qui, de bonne volonté, aux hommes qui le reçoivent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Une lumière, vous avez un portrait de l'expérience, ça commence là, de l'expérience christologique, de l'expérience chrétienne. Il y a une lumière qui brille, et il y a de la louange, il y a de la communauté d'encouragement. Ils se parlèrent les uns aux autres, s'encouragent les uns les autres. Il y a des bergers qui s'édifient les uns les autres. Il y a de la louange, il y a de la lumière. Et vois ce que Dieu est arrivé. On va découvrir et on va continuer à connaître. Nous allons voir ce que le Seigneur... On va explorer, on va développer, on va creuser, on va se bénir ensemble à découvrir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et je dis amen. Mais lorsque l'expérience chrétienne s'arrête à ça, lorsque l'expérience chrétienne pour un grand nombre d'églises au Québec et pour un grand nombre d'églises en francophonie, un grand nombre de chrétiens en francophonie, c'est tout nous, entre nous.
On va se bénir. Qu'est-ce que le Seigneur nous a annoncé? Le prophétique, la doctrine, les choses, toutes choses qui ont l'importance. On s'édifie, la communion, on se fait du bien. À Noël, on est ensemble, on chante les cantiques, on prie, on se fait du bien, on est béni. Et c'est pour ça que même dans certains sacs, pendant des années, j'ai encore reçu un courriel cette semaine. Écrivez-moi pas, Internet, écrivez-moi pas un courriel pour me citer un verset de l'Ancien Testament qui à cause qu'il y a des sapins dans l'Ancien Testament où ils offraient des enfants en sacrifice, puis ça veut dire qu'on ne devrait pas parler de Noël. Si vous offrez des bébés en sacrifice, vous devriez arrêter de faire ça. C'est vraiment mal. Faites pas ça. C'est pas une bonne expérience de Noël. L'Église chrétienne recroquevillée sur elle-même. Et les bergers qui... Et ils ont fait toutes ces choses importantes. Ils se sont parlé, se sont édifiés, se sont découverts tout ce que Dieu a pour nous. Mais le prochain verset est absolument essentiel à la joie de Noël. La réponse qu'on doit avoir. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Après avoir vu... Écoutez, ils en ont parlé. Après avoir vu, ils ont invité. Après avoir vu, ils ont tendu une main. Après avoir vu, ils ont compris qu'ils avaient un rôle à partager ce message-là. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait à Noël. C'est parce qu'on peut pas garder cette lumière-là pour nous. Il faut que je la partage avec quelqu'un. Et lorsque, alors, ils ont partagé ce qu'ils savaient. Ils savaient pas tout, pas toutes les réponses eschatologiques, philosophiques, aux questionnements de leur époque. Mais ils se sont mis à raconter ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Et tous ceux, verset 18 de Luc, chapitre 2, et tous ceux qui les entendirent tombèrent instantanément sur leurs genoux en disant, « Je deviens chrétien et je me joins à Nouvelle Vie pour le prochain 30 ans. Amen. » Ben non, je ne sais pas quelle Bible vous lisez, je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. Pas ça du tout. Tous ceux qui les entendirent ont été dans l'étonnement. Wow! Ouf! Je savais pas ça. On ne parle pas qu'ils se sont convertis, on ne parle pas qu'ils ont tombé à genoux tout de suite, on ne parle pas que ça a été facile, que ça a été instantané. Il y a une stratégie. Il y a une sagesse. Il y a une persévérance. Il y a une patience. Il y a un partenariat à voir un grand nombre de personnes venir au Seigneur Jésus. Et nous aussi, à chaque semaine de l'année, mais comme à aucun autre moment de l'année, lors des concerts de Noël, il y a quelque chose qui arrive. Il y a plein de gens qui, alors que nous racontons ensemble, en chant, en musique, en témoignage et en message. Vous savez qu'à ce moment où je vais arriver et communiquer le message. Cette réaction-là au témoignage des bergers est la même. 2000 ans plus tard, à chaque année, on va avoir un sac cadeau, livres, CD, Bible, mais des gens préparés pour les accueillir. Des centaines de personnes, littéralement. On filmerait jamais ça, c'est hyper personnel, hyper c'est tellement privé, c'est tellement magnifique. Des centaines de personnes qui arrivent, que vous avez invitées, qui arrivent à l'espace Bienvenue, qui sont en larmes et qui sont juste étonnées de ce qu'ils ont entendu. C'est une étape, c'est un premier pas, c'est une œuvre qui commence dans leur cœur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique, ce n'est pas sans sacrifice. Mais ce matin, je veux que vous quittiez en pensant à trois choses. Mon invitation, mon importance, et mon implication dans cette œuvre de lumière. Je la reçois, comment vais-je y répondre? Mon invitation, ne te laisse pas renverser par le mal, Romains 12, mais nous allons renverser le mal par le bien. Dieu est venu en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation, comme si Dieu les invitait, les suppliait à travers nous, les exhortait, les appelait à travers nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce que je veux appeler chacun d'entre vous à dire. Ces concerts de Noël, pasteur, on est ensemble, on va le faire ensemble, j'ai un rôle, mon invitation, mon importance, et l'apôtre Paul le fait avec une logique implacable dans Romains 10, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Combien croient que c'est encore vrai en 2018? La lumière brille encore. Comment donc vont-ils invoquer en celui qui n'ont pas cru? Et centaines de milliers de nos amis, vos amis, ma famille, votre famille, ne croient pas. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont même pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah oui, mais pasteur Claude, moi je prêche pas, man. Je suis pas un prédicateur. Moi, oui. Pas un très bon, mais j'essaye, je fais de mon mieux. Je suis pas un chanteur, il y en a qui le sont.
Je ne suis pas un musicien. Il y en a qui sont. Je ne peux pas toujours quoi dire. Es-tu capable d'inviter? Es-tu capable de dire oui? Es-tu capable de semer? Voici une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Puis si ne le prenez pas mal, ne prenez pas comme un légalisme, rien, mais juste cette pensée-ci. Les 4000 personnes qui vont entendre ce message ce matin, chacun, chaque personne, il y en a qui en ont acheté 10, 12, 15, 20, moi j'en ai acheté 20. 5, 10, 12, 15, 20 billets de concert. Mais les 4000 personnes qui traient ce matin en disant, moi je m'implique. Moi je fais partie de ça. Élie a prié et il prie. Ouais, j'ai déjà prié pour cette personne-là, mais pff, je te dis. Et je l'ai déjà invité. Est déjà venu. Élie a prié et il pria de nouveau. Et la pluie vint du ciel après qu'il ait prié de nouveau et porta son fruit, porta sa récolte. Jacques, chapitre 5. Mes frères, mes sœurs de nouvelle vie à 6 jours des concerts de Noël. Mes frères, si quelqu'un poursuit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie dont il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, va effacer la tache et remettre le vêtement. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur que seulement toi tu peux inviter. Il y a des gens que seulement moi je peux inviter. Il y a des gens que je pensais que j'avais 10 ans l'année passée qui ne sont plus là cette année dans ma vie, dans ma famille, autour de moi. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignés, puis disent, une multitude de fois, je comprends, c'est ce qu'il disait. Il a, t'as prié, puis t'as prié encore. T'as invité, puis t'as invité encore. T'as sacrifié, il y a un coût au billet. Un coût au billet, c'est au lieu d'aller au cinéma une fois, ou au lieu d'acheter une bouteille de vin, ou au lieu d'acheter une bébelle, ou au lieu de louer un film, ou au lieu de... Non, je prends ce montant-là, et cette semaine, je prends mon billet ce matin, parce que cette semaine, je vais... Parce que comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour les bergers, comme les bergers pour... Je vais prier. Je vais prendre un billet. Je vais appeler quelqu'un. Je vais être conduit par quelqu'un, à quelqu'un. Je vais m'impliquer. Vous avez des heures à nous donner, on a besoin de vous. L'année passée, il y a eu tellement de monde qui sont venus au dernier concert, tellement de gens à la table ou à l'espace, bienvenue, tellement de gens qu'on manquait de chrétiens pour accueillir. On veut pas faire. Il y avait des gens qui étaient en file, en ligne, des nouveaux touchés en ligne, attendant pour avoir leur sac, mais pour que quelqu'un leur parle. On ne veut pas faire attendre des gens qui viennent répondre à l'Évangile. Alors, on a besoin de vous. Je vais venir à un concert, mais je vais m'impliquer à l'autre. Je vais venir de faire la salle. Je vais venir au panier. Je prends un billet. J'en prends un, j'en prends deux, j'en prends cinq, j'en prends 20. Je vais le faire. Puis savez-vous ce que le défi, je demande à quelqu'un, Justin, passe-moi ton sel. Je vais être une, je t'ai pris de cours, hein? Je vais être une lumière. Savez-vous ce que j'avais pensé faire? Une lumière. Tout le monde qui a un cellulaire ici, qui a une lumière, une flashlight dedans, sortez-le, s'il vous plaît. Ça va prendre une seconde. Tout le monde, sortez votre flashlight. Allez-y. Ça vous donne l'indication que la réunion achève. Soyez encouragés. Sortez. Tout le monde, j'ai demandé à Pat de baisser un petit peu la lumière. Vous voyez votre lumière à vous briller partout, partout, partout. Regardez autour. Quand même, hein? Regardez autour. Wow. Si on pouvait applaudir pour tenir notre lumière, on applaudirait pour tenir notre lumière en main. Frappez dans la main de quelqu'un d'autre. Regardez-la, juste pendant une seconde, faites ceci, regardez votre lumière. Je vais vous défier à faire quelque chose. Si vous le faites, là, je vous promets que Dieu va être là. Après-midi, allez, prenez une minute, même ce matin, là. Prenez une minute juste pour aller dans note. Puis, Seigneur, y a-t-il quelqu'un que tu voudrais que j'invite? C'est quelqu'un pour qui tu veux que j'achète un billet? C'est quelqu'un qui a besoin vraiment, là, qui arrive à la fin de l'année, il a besoin d'entendre que quand ils sont à leur pire, Dieu est à leur meilleur pour eux. C'est ça, Noël. Ils arrivent à la fin de l'année, puis ils ont peur. Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que lorsqu'il pensait qu'elle faisait juste attendre. Non, non, Dieu avait un plan, puis ça commence avec Jésus, ça commence avec la lumière. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui l'a déjà connu, cette lumière-là, puis s'est éloigné. Puis tu veux, moi, juste, je vous défie de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis quelques semaines, puis ma liste allonge. Puis juste taper les noms que le Seigneur met sur votre cœur. Juste les mettre là. Vous allez voir, l'Esprit de Dieu, il vous attend. Il va vous donner des noms de personnes que juste toi, tu peux rejoindre. Ça prend de l'audace, ça prend un peu de cœur, puis de quoi, un peu de sacrifice. Ça prend 15 $, ça peut être 30 ou plus. Ça prend un sacrifice. Il y a quelque chose qui va être donné, il y a quelque chose qui va être. Mais Seigneur, ensemble, je comprends mon importance. Je comprends ton invitation. À travers moi, tu vas inviter des gens, tu vas supplier des gens. Je vais prier pour eux, je vais m'impliquer. Hey, je peux-tu vous demander une faveur? Je peux-tu vous demander de partager mon rêve?
que pas un seul chrétien de Nouvelle Vie vient au spectacle comme un spectateur. Ouais, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'aimais mieux ci, j'aimais mieux ça. Un critique dans le Journal de Montréal. Non. Viens comme un, ça va être magnifique, ça va être féerique, ça va être beau, ça va être extraordinaire, mais viens comme un combattant avec vous. Puis là, je vais demander si c'est possible. On regarde ça comme ça pendant un instant. Je vais demander à Patrice et à nos amis, merci à tous ceux qui suivent ce message sur Facebook Live. Mais je vais arrêter le Facebook Live une seconde, je veux parler à la famille. Si on laisse Dieu nous communiquer son cœur, moi, cette fin d'année, le nombre de personnes que Dieu ramène à mon cœur à inviter, là, je sais que Dieu prépare quelque chose. Je sais que Dieu les prépare. Je sais que des semences que j'ai mises dans leur vie que je pense qu'ils ne donnent pas de fruits. Ah non, non, non. Dieu est en train de faire son œuvre. Le fruit, les étapes sont en train de se faire dans leur cœur que je ne vois pas. C'est Dieu qui sait à quel moment ils sont prêts. Moi, je n'ai qu'à être fidèle et qu'à y aller. Puis je veux dire ceci comme pasteur de Nouvelle Vie. 25 ans de Nouvelle Vie, le 25e, l'année 2018 a été une année extraordinaire, magnifique, pleine de bénédictions, croissance sur tous les côtés. Événements extraordinaires, invités, magnifiques, une année qu'on va se souvenir toute notre vie. Mais dans les derniers 4, 5, 6 mois, énormément d'attaques. Énormément d'attaques. L'apôtre Paul a dit, une porte d'accès est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les attaques de médias, des attaques de maladies, des attaques de méchanceté, des attaques de menaces, des attaques de personnes. On a plusieurs personnes sur le personnel de Nouvelle Vie en ce moment qui font face en traitement de cancer ou on menace, on a des choses sur leur vie. Et comme passage, peux-tu vous dire ceci? On arrive à la fin de l'année, puis je vous demande de vous joindre à moi pour dire à l'ennemi, on va écraser la tête du serpent en cette fin d'année. Cette année va se terminer avec une lumière qui va briller. Des vies qui vont être transformées et je vais faire ma part dans cette œuvre. Je déclare à l'ennemi qu'on va finir l'année 2018 dans une victoire absolument sans précédent. Déposez le téléphone une seconde et applaudissez à l'avance ce que Dieu va faire chacun avec notre lumière. Hey, on se lève. On se lève. Voulez-vous applaudir? Voulez-vous donner une ovation et pousser un cri à l'avance de victoire pour ce que Dieu va faire?